ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les mutins, tout réussira. Bonjour, il est actuellement 19h55. On a des nouvelles. Jean-Baptiste Drouet reconnaît le roi mais ne réagit pas. La police se lance à la poursuite de la berline royale. Bonjour Marie de Montargis, Julie Billard. Bonjour. Bonjour. Donc, comme vous le savez déjà, les privilèges des nobles ont été supprimés en 1789. On va accueillir Marie de Montargis et Julie Billard pour qu'elles débattent sur ce thème. Marie de Montargis est une noble et elle pense qu'enlever les privilèges aux nobles est complètement fou. Julie Billard est une députée du tiers d'État. Elle est en faveur de l'abolition des privilèges. Elle pense que tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pour commencer, les nobles étaient et sont depuis la naissance plus importants qu'un tiers d'État. Donc, le peuple est obligé de nous payer des taxes. C'est inacceptable de nous interdire d'avoir l'argent qu'on mérite. Justement, ceci est le problème. Les paysans avaient une vie très dure. Et en plus, ils n'avaient pas la même chance qu'un noble pour devenir quelqu'un d'important. Par exemple, le fils d'un noble avait toute sa vie préparée sans le besoin de faire aucun effort, contrairement aux paysans qui devaient travailler toute la journée en échange de très peu d'argent. Ces traditions sont très importantes et on ne doit pas les enlever. Les traditions sont notre culture et elle est vitale. Par exemple, les taxes que nous payons étaient indispensables pour notre vie quotidienne. Non, les taxes sur les chevaux, les chiens ou tout type d'animaux et les produits de luxe devraient non seulement être payés par les paysans et bourgeois, mais aussi par les nobles. Les paysans n'ont pas autant d'argent comme vous, mon Dieu. Et en plus, ils devaient travailler gratuitement pour le Seigneur depuis le Moyen-Âge. Bon, peut-être vous avez raison, mais nous, les nobles, on devrait au moins conserver une priorité pour être admis dans les fonctions prestigieuses du royaume. Plus nous avons l'argent et nous sommes supérieurs. Mais non, quasiment tous les bourgeois ont une très bonne situation économique. Mais par faute des privilèges, ils ne peuvent pas travailler dans les postes de travail comme dans certains postes d'administration et de justice ou dans l'armée, car ils sont réservés aux nobles. Par conséquent, les bourgeois ne vont pas avoir la chance d'avoir un bon statut politique. Ah, et en plus, ils étaient obligés de payer des impôts à l'église. Ben, Madame Billard, je ne sais plus quoi dire. Vous avez sûrement raison. Merci beaucoup pour votre participation dans cette émission, Madame Billard et Madame Montargis. Passez une très bonne journée.